YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Super Dash Endless Run. C'est un nouveau jeu, je suis tombé dessus un peu par hasard sur Reddit. C'est un seul mec qui fait le jeu et en plus de ça, c'est son premier jeu. Du coup, malheureusement, le jeu n'est disponible que sur iOS pour le moment. Et je vais vous montrer, en fait, c'est un jeu de course. Ça m'a fait très nostalgique. Ça m'a fait retomber dans les premiers jeux mobiles, vraiment au tout début. Le but du jeu est très simple. Vous avez une voiture et le but c'est de pas tomber. Sur le chemin, il faut choper les diamants là que je suis en train de récupérer, parce qu'en fait, ça va vous permettre du coup de débloquer des voitures, d'acheter des skins, de faire pas mal de choses avec ça. Je vais essayer d'aller plus loin possible. Parce que là pour l'instant, le jeu est sorti hier je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai juste fait 2-3 runs pour tester le jeu, découvrir et tout, voir. Et en fait il y a une vibe un peu rétro, néon, années 80 et tout. Et du coup j'ai bien aimé. Je vous avoue que c'est le genre de jeu où en plus tu peux relancer une game et ne absolument jamais t'arrêter. Enfin il y a un moment où tu vas forcément la voiture va clamser quoi. Mais tu peux passer ta journée dessus parce que il n'y a pas de système d'énergie, c'est pas genre tu lances 3 runs, faut que tu attendes une heure ou deux, récupérer un peu d'énergie, comme il y a de temps en temps. Là c'est pas le cas. Du coup, si tu veux te lancer des runs toute la journée, améliorer ton temps, récupérer des gemmes pour débloquer des nouveaux véhicules, je vais vous montrer ça juste après, dès qu'on meurt. J'espère ne pas mourir évidemment rapidement parce que sinon hop, ce sera un peu relou. Et après c'est un peu. Non mais en fait le problème c'est que j'ai... Allez je vais vous montrer les voitures, let's go. Donc ça c'est la voiture de base. Le truc c'est que tu peux débloquer du coup des skins par la suite qui vont te coûter des diamants. Donc celui-là il en coûte 2000, j'en ai que 1040 parce que je vais pas très loin parce que je suis nul, hein, vous l'avez vite compris. Et du coup il y a des skins de plus en plus rares, il y a des skins avec... Oh on peut s'acheter le skin doré, trop bien. Ah le skin doré il va plus vite, il va à 20 alors que celui-là il va à 7. Attends, mais je veux équiper mon skin doré, là. Ok, c'est bon. Et après, il y a d'autres bagnoles qui ressemblent à... Ah, c'est toujours plus ou moins pareil, hein. C'est des trucs un peu, comme je vous disais, un néon rétro, mi-futuriste, mi-rétro. Et j'aime bien le délire. Ah, j'aime bien le délire en soirée d'entron ou je sais pas quoi. Mais bonne vibe, que j'aime bien. Par contre, ça va être dégueulasse, en vrai. Oh ! Pas mal, j'aime beaucoup ce modèle. J'aime beaucoup, beaucoup ce petit modèle caméléon. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Je peux voir le rouge ou pas? Ok, j'aime pas le rouge en fait. J'aime pas le rouge. Non mais vous savez quoi? On a débloqué celui-là. Du coup, on va essayer de jouer avec. On va voir s'il va vraiment plus vite. Ah oui, il va vraiment plus vite, mais dès le début, genre. Ok. Ah donc c'est pas mal en vrai. Parce que là, les petites étoiles, si je dis pas de bêtises... Je les ai eu tout à l'heure en faisant les espèces de quêtes quotidiennes qui vous font aller genre ouais tu fais 100 mètres, ouais tu récupères tant de diamants et tout, boum t'as des points de récompense du coup pour tes quêtes quotidiennes. Et là je vous avoue que j'arrive à parler et à jouer en même temps et à me concentrer, mais je sais qu'il y a un moment ça va plus être le cas. Voilà. Mais en vrai niveau difficulté, attends mais j'ai commencé vachement loin en plus, je suis déjà à 800 mètres. La difficulté elle est grandissante hein, parce que là vous dites ouais c'est simple et tout, évidemment plus on avance, plus le jeu va vite. Plus il y a de trucs où faut se décaler, où faut sauter, parce qu'en fait on peut sauter et rebaisser comme ça. Et à chaque fois, je crois que c'est tous les 1000 mètres, le biome change un peu. Il y a des ambiances vert, jaune, violet, plein de trucs assez différents, pour que vous n'ayez pas l'impression d'être toujours dans le même coin dans le jeu. Hop, on va se remettre par là. Et on va essayer de choper un max de diamants, sachant que il n'y a pas de pub forcé dans le jeu, ça c'est un truc que je trouve vachement bien, parce que comme c'est son premier jeu au gars, peut-être c'est une meuf, j'en sais rien, en vrai de vrai, mais à cette personne, comme c'est son premier jeu, ça aurait pu être blindé de pub et tout pour un peu rentabiliser le jeu et potentiellement financer un prochain, mais là il n'y a pas, il y a juste une pub du coup supplémentaire quand tu finis un run pour doubler tes espèces de gemmes que tu vas récupérer par la suite. Voilà, donc jusque là, pour l'instant c'est pas trop compliqué en vrai. Hein, vous avez repéré, en plus de ça, il y a, comme on a assez de vitesse, il y a des moments où même si je tourne un peu trop vite ou un peu trop tard, vu qu'on a de la vitesse, on est un minimum safe quand même. Voilà. Par contre, je suis sur tablette, et je vous avoue que sur tablette, c'est une galère à jouer. Non ? Bah voilà, typiquement, c'est ce que je vous disais, hein, même si je me décale un peu trop tard ou trop tôt, vu qu'il y a de la vitesse, on a un minimum de délai pour bien se remettre. Mais ouais, sur tablette, c'est vrai que c'est pas le plus évident à jouer. J'essayais pas de me trouver des arguments au cas où je tombe, genre là maintenant, pas du tout. C'est vraiment vrai. C'est que
c'est plus facile sur son mobile quand même pour jouer à ce genre de jeu que sur un grand écran qui est à 5 cm de mon visage pour vraiment être en pleine immersion. Et là, on commence à accélérer. Hop. Je sais pas si vous, non, vous entendez assez fort la musique. Je voulais pas que la musique soit trop forte parce que c'est vrai que le bail est un peu rétro, rétro, néon, tout ça. Ça peut vite casser les oreilles, tout ce qui est synthwave et tout. Hop. Bon, là pour l'instant, on est tranquille. Je suis jamais jusque là, hein, je vous le dis direct. Hop. Après, c'est vrai que j'ai fait juste une run après avoir pris mon café et que j'avais un peu la tête dans le colmar. Mais sinon, tranquille. Ok. Et je trouve que le jeu est beau en plus de ça. Parce que je vois plein de jeux faits par des devs solo, c'est leur premier jeu ou quoi, c'est des trucs avec des... Ah, oh, j'ai pas eu le temps de l'esquiver. Bon bah, la partie est finie, donc je peux soit claquer une étoile pour continuer, soit mater une pub, et comme je vous disais, du coup, il n'y a pas de pub aléatoire, de pub forcée, pardon. C'est vraiment optionnel si vous le souhaitez, voilà. Et là par contre, dans le truc du daily, je suis 14ème. Je vous ai dit, le jeu est sorti hier, je suis un top 15, on est plutôt bien 7000 mètres de fait, et du coup, bah, je peux doubler mes gemmes à la fin pour potentiellement bah, soit m'acheter des skins, mais clairement... c'est pas un truc que je vais faire. Il coûte combien celui-là? Ah, 6000. La deuxième voiture, elle coûte 6000. D'accord, ok. Celle-là, elle coûte combien? 8000, ok. La dernière, elle coûte... Ah, la dernière, c'est juste avec des points de quête, ok. 100, ok, d'accord. Ah ouais, waouh, ok. Non, mais elle est jolie après. Par contre, elle va à K18. La mienne, elle va à plus que ça. Mais ok, ok, cool. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je mettrai le lien dans la description, parce que bah, comme c'est un jeu où la personne qui a fait le jeu est pas connue ou quoi, que c'est le premier jeu et tout, c'était un peu compliqué à trouver. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère également que le jeu vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien, à la prochaine, c'est salut, bye bye.